Bonjour agent 006, votre mission, si vous l'acceptez, consistera à identifier les mouvements de foule repérés par satellite au sud d'une petite île perdue dans l'océan Indien. Nos observateurs remarquent de nombreux groupes de jeunes qui se rendent discrètement dans un édifice étrange. Votre mission sera d'identifier les lieux, les raisons de ces déplacements de masse et surtout cerner les responsables et ceux qui s'y préparent. Comme d'habitude, si vous ou l'un de vos agents se faisait prendre, la confrérie irait avoir une connaissance de vos agissements. Ce document s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance. Bonjour, salut à tous. Oui, bah écoutez, je suis très content. On attendait avec impatience cette nouvelle journée porte ouverte au lycée Paul Langevin. Je crois que cette année, encore plus que les autres années, c'est un réel succès. D'abord parce qu'il fait beau et puis parce que nous accueillons aujourd'hui, je crois, plus de 360 élèves avec leurs professeurs. Et pour nous, c'est doublement important car on espère avoir cette fois-ci, cette année, toutes nos sections remplies dès la rentrée. Voilà, donc pour nous, c'est une excellente journée et j'espère qu'il en sera de même pour toutes celles et ceux qui sont venus aujourd'hui. Voilà, merci. Il faudra le déposer ici, une question par le bureau. Oui. Et moi, je m'appelle Dushman Yerian et je suis en gestion d'administration aussi. Voilà, allons commencer la visite. Oh, ça ne fait pas remarquer. Je le connais pas. Donc là, vous êtes un groupe de 10. Bonjour, je m'appelle Ludovic et je suis dans ce lycée-là, je suis parti découvrir un peu ce qu'il y avait et ce qui m'intéressait c'était le bois. Bonjour, je m'appelle Luca Pesanti, je suis venu ici pour voir un petit peu tout ce qu'il y avait dans le collège à faire et tout. Et genre c'est vrai qu'un petit peu comme Ludovic, j'ai un petit peu accroché sur la section bois et tout. Oui, ça vaut le coup parce que c'est un lycée qui est tranquille comparé aux autres lycées en fait. Et ici on a beaucoup, on a grandi, je sais pas. Oui, ça fait réfléchir aussi parce que comme on voit là, les élèves de 3e, ils rentrent dans le lycée. Et ils sont un peu, ils sont immatures. Un petit peu, immatures. Oui, et on voit comment on a évolué de 3e jusqu'au lycée. On voit notre évolution en fait. Donc c'est bien. C'est un bon endroit pour évoluer ici alors. Oui. Le collège de Saint-Philippe. Donc on a emmené deux groupes d'élèves, un groupe de 4e et un groupe de 3e. Donc les 4e, c'est vraiment pour découvrir un petit peu toutes les filières qu'il y a au lycée professionnel. Ça leur permettra justement en fin de 4e de voir s'ils préfèrent une 3e générale ou une 3e prépa pro. Donc c'est une préorientation, on va dire, vers le lycée professionnel. Bon, les élèves de 3e qu'on a emmenés aujourd'hui, c'est des élèves qui n'ont pas eu cette chance de visiter les lycées professionnels l'année dernière et qui ont toujours une ambiguïté sur leur orientation. Donc ils ne savent pas s'ils veulent aller vers la professionnelle ou la voie générale. Au moins là, ça leur permettra d'avoir un petit point de vue et de faire un choix un petit peu plus audacieux concernant l'orientation.